C'est maintenant le moment pour la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur le Président. Vraiment, le temps s'écoule pour ce gouvernement. Ils ont apporté quelqu'un pour essayer de régler cette crise. Ils ont perdu de nombreux ministères à cause du scandale de la ceinture de verdure et ils essayent de changer leur chemin. Monsieur le Président, les Ontariens craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures ou ne pas pouvoir trouver un médecin de famille. Donc, au Premier ministre, quand est-ce que le gouvernement va résoudre ce désastre qui eux-mêmes ils ont créé pour que les gens puissent avoir accès maintenant? Réponse le leader parlementaire du gouvernement. Dès le début, dès l'année 2018, nous avions mis en place de nombreuses mesures et tout en même temps, presque de façon immédiate, nous avions enlevé les formalités administratives de la province. Nous avions mis en place des mesures additionnelles pour permettre d'aider la création d'emplois dans les différents domaines et nous avions vu un effet très significatif. Il y a eu 700 000 nouveaux postes de travail. Ce sont 700 000 nouvelles personnes qui ont la dignité d'un emploi aujourd'hui. 20 milliards de dollars en investissement dans notre économie, plus de 300 000 postes qui demeurent vacants. Les mises en chantier de logements se trouvent dans le niveau le plus important. Nous sommes sur la bonne voie, Monsieur le Président, et nous allons continuer pour faire du travail pour les Ontariens. Question complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement n'a pas tellement de temps. La Gendarmerie nationale du Canada a nommé un investigateur qui mène l'investigation criminelle. Les organisations environnementales présentent des plaintes contre le gouvernement. Donc, encore une fois, au Premier ministre, est-ce qu'il a peur de ce qui peut être trouvé dans les documents de cette recherche de la gendarmerie? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Nous appuyons le travail de la gendarmerie nationale, mais cela ne va pas nous arrêter. Nous nous avions mis comme objectif de bâtir plus de logements pour les citoyens de la province. Nous attendons avoir 1 million de personnes de plus, 1 million de personnes qui vont aider à bâtir, à renforcer l'économie, mais tout en même temps, Monsieur le Président, nous devons aider ceux qui veulent réussir le rêve de la propriété. Christina, une Ontarienne qui a fait tout bien, m'a dit « J'ai mis le paiement initial, mais l'augmentation des taux d'intérêt m'empêche d'acheter ma propre maison. Vous devez m'aider, on doit faire quelque chose. » Et nous sommes en train de faire quelque chose, Monsieur le Président. Le Premier ministre a démontré du leadership en encourageant la Banque du Canada pour qu'elle arrête l'augmentation des taux d'intérêt. Nous allons continuer, Monsieur le Président, à faire tout ce que nous pourrons pour aider les Ontariens. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Ce Premier ministre a dit, et c'est une citation, c'est le caucus le plus transparent, redevable et confiable qu'il a jamais vu. Mais ça, c'était avant le rapport de la vérificatrice générale qui a soulevé de traitements préférentiels qui pouvaient être prouvés par des courriels électroniques. Et après le brisé de confiance d'un ministère et après l'investigation criminelle de la gendarmerie nationale. Donc encore, Monsieur le Président, ma question pour le Premier ministre. Est-ce qu'il saisira-t-il cette chance pour se corriger? Les députés doivent regagner leur siège. Le leader parlementaire du gouvernement. Dès le premier jour, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de l'économie de la province. Ce n'est aucun secret que nous avions hérité un gouvernement et une province qui souffraient. Les impôts les plus élevés, les plus nombreuses réglementations, les montants de l'électricité étaient énormes. Les gens devaient choisir entre le chauffage et les aliments. Et ce n'a été que dans l'année 2018 que la citoyenneté de l'Ontario a choisi un gouvernement conservateur. Nous avions réduit les impôts, nous avions enlevé les formalités administratives, nous avions réduit les coûts de conclure des marchés dans un montant de 8 milliards de dollars. Nous avons réduit les impôts pour les Ontariens à revenus les plus faibles. Et nous avions bâti
la plus nombreuse infrastructure dans l'histoire ontarienne et nous n'allons pas arrêter, Monsieur le Président. Question. La chef de l'opposition officielle. Des fardalités administratives à des enveloppes marron. Voilà ce que le gouvernement a fait. Le rapport de la vérificatrice générale a trouvé qu'il y a eu des arrêtés de son âge ministériel. 18 MZOs. Donc ma question pour le Premier ministre, pourquoi est-ce que son gouvernement donne des MZOs à ses amis comme si c'était des faveurs partisans? Réponse le leader parlementaire de gouvernement. Nous donnons des arrêtés de zonage municipal pour pouvoir bâtir du logement social partout dans la province de l'Ontario, pour pouvoir bâtir plus des écoles, pour pouvoir bâtir plus de transports publics et du transport, pour pouvoir bâtir plus des hôpitaux partout dans la province de l'Ontario et pour pouvoir combler notre objectif de bâtir 1,5 million de logements. Et je vous avoue, Monsieur le Président, autant que ministre de Logement et des Affaires municipales, je ne vais pas m'arrêter jusqu'à combler l'objectif de bâtir 1,5 million de logements. Parce que nous voulons que la prochaine génération puisse avoir tous les avantages que nous, nous avions eus. Le rêve de la propriété doit être une réalité pour eux et nous n'allons pas permettre qu'aucun obstacle leur empêche. Pour expliquer comment la coalition précédente des néo-démocrates et des libéraux a été de mauvaise, ils n'ont rien fait pour les Ontariens et nous faisons exactement le contraire. Question complémentaire. Monsieur le Président, les amis du Premier ministre, Shaky Ribatula, a été dans la fête de mariage de la fille du Premier ministre. Sa compagnie a vu plus de MZOs que n'importe quel autre. Cela a augmenté 20 fois la valeur de la propriété. Et cela sans rien bâtir. Sa compagnie a vendu partie des terres. Donc, au Premier ministre, est-ce que M. Ramatoula a reçu ses MC2 parce qu'il est son ami? La réponse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, M. Ramatoula a reçu les MC2 parce que la ville de Markham et la ville de Stouffville les ont demandés pour bâtir plus et plus vite. La députée d'en face parle des logements pour les aînés et d'autres types d'infrastructures sociales qui ont vu beaucoup de délais à cause de leur manque d'action. Nous avions mis ces MC2 pour pouvoir travailler plus vite. La députée d'en face peut être contre cette mesure, mais dans ma communauté, on l'appuie parce que, Monsieur le Président, si on bâtit plus de logements, on a plus de maisons de retraite, plus de logements pour les prochaines générations qui veulent sortir du sous-sol de leurs parents, ils veulent acheter quelque chose dans la communauté. Donc voilà la raison pour laquelle nous avions donné tellement de MC2. Ce caucus conservateur va faire le travail pour les Ontariens. Nous sommes en pleine crise et nous allons faire en sorte de compléter l'objectif de 1,5 million de logements. Complémentaire final. Monsieur le Président, ce n'est pas tout. Aussi, la famille Cardellucci a reçu les plus nombreuses MC2. Pendant ce mariage, Mario Cardellucci était assis près du Premier ministre. Savez-vous qui d'autre? Common Negro, un autre promoteur, qui a reçu un autre MZO. Donc, au Premier ministre, encore une fois, est-ce qu'il a donné un traitement préférentiel à la famille Cardellucci et M. Nigre ou à quelqu'un d'autre qui a été présent dans le mariage? Réponse le leader parlementaire du gouvernement. Nos MZO assurent d'avoir toujours l'appui de la communauté. Je l'ai dit par le passé, soit à Pickering ou n'importe où, quand les communautés ont voté contre, j'ai demandé d'enlever le MZO. Mais quand on parle de bâtir de logements, ce que nous voyons toujours, c'est que les municipalités, les villes demandent de présenter ces MZO.
Il y a une motion favorable de leur conseil parce qu'ils veulent exactement la même chose que nous. Ils veulent qu'on puisse bâtir des logements pour les personnes. Le ministre du Développement et ce premier ministre ramènent des investissements milliardaires dans les différentes communautés de logements où on en a besoin de logements. Quand on assure les 4 heures de soins, on doit faire en sorte que les infirmières, les travailleurs de la santé puissent avoir un lieu où y vivre. Nous allons continuer à travailler pour les Ontariens. Prochaine question, le député de Niagara-Centre. Merci, Monsieur le Président, pour vous, au Premier ministre. J'ai demandé l'année dernière au ministère de Logement et des Affaires municipales par rapport à un MZO qui a été ordonné pour un parc d'innovation. Cela n'a jamais été battu. Ils ont dû payer 10 fois le prix original avant de recevoir le MZO. L'ancien ministre a dit qu'il avait enlevé l'ordre, mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi est-ce que le Premier ministre permet que les spéculateurs puissent avoir du profit pour un édifice qui n'a jamais été bâti? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Voilà, ça fait partie du processus de surveillance. Si l'ordonnance ne permet pas de bâtir 1,5 million de logements, on va l'enlever. On va enlever ces MZO, Monsieur le Président. N'ayez aucun doute. Quand il s'agit de protéger les Ontariens, on va être agressif. Quand il s'agit de créer des opportunités pour la création d'emplois, nous allons être agressifs. Il y a tellement de choses que nous devons faire après le désastre qui a été laissé par la coalition des néo-démocrates et des libéraux. Mais nous avons maintenant 700 000 nouveaux emplois, 700 000 nouvelles personnes qui ont la dignité d'un travail, qui avaient perdu cette illusion avec les néo-démocrates et les libéraux. Tout cela a changé dans l'année 2018. Nous sommes sur la bonne voie et rien ne va nous distraire, rien du côté de l'opposition. Question complémentaire. Monsieur le Président, si vous êtes des amis du Premier ministre, ce gouvernement va vous donner des MZO comme si c'était des petits bonbons. Mais si vous ne l'êtes pas, ce gouvernement vous fait attendre. La cité de Toronto a demandé des ordonnances pour bâtir. Mais il y a eu des consultations publiques, des recommandations et l'approbation du Conseil. Le gouvernement a approuvé toutes les demandes d'MZO, excepté pour une construction à Willowdale. Il n'y a pas de nouvelles jusqu'à présent. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut dire si ce projet de logement abordable a été délayé exprès pour pouvoir permettre de bâtir des logements de luxe en face, oui ou non? Les députés doivent regagner leur siège. Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Laissez-moi être clair, mes chers collègues, parce qu'ils essayent de changer d'ici par là les néo-démocrates. Maintenant, oui, ils veulent que je donne un MZO. Il y a des centaines de logements qui ont été complétés dans leur propre communauté grâce aux MZO. Donc, c'est quoi le cas? Est-ce que vous voulez les MZO ou vous ne les voulez pas? Voilà la conduite des néo-démocrates. Un jour, ils veulent réduire les impôts, le lendemain, ils ne le veulent plus. Ils nous ont demandé, mais nous leur avons demandé toujours d'approcher l'impôt, la taxe sur le carbone. Nous faisons toujours de progrès, mais je suis encouragée par le fait que, même s'ils se prononcent contre, on va continuer à travailler pour bâtir de logements et pour faire le travail. À l'ordre, dit le Président. Prochaine question, la parole au député de Brantford-Brent. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. L'effet de la taxe sur le carbone est dévastateur pour tous les Ontariens. Le fonctionnaire parlementaire fédéral du budget a dit qu'il ne pourrait jamais remettre l'impôt dans les chèques de rabais. C'est 478 dans l'année 2023, même après le rabais. Mais cela ne va faire qu'empirer. La taxe sur le carbone va continuer à augmenter
de même que l'impôt sur l'essence. Le même fonctionnaire a dit que ce montant va devenir 1 820 de pertes dans l'année 2030. Est-ce que le Premier ministre peut-il partager ses pensées par rapport à l'effet de la taxe sur le carbone qui est souffert par les Ontariens? Réponse, le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le député de Brantford-Brant pour son bon travail. La taxe sur le carbone, et je l'ai dit dès le début, c'est le pire des impôts qu'on peut chercher, facturer aux personnes et aux entreprises. Ça nous rend moins concurrentiel dans le monde. Ça affecte toutes les familles de la province. Quand j'ai écouté ces déclarations du fonctionnaire, je ne pouvais pas le croire. Les familles ontariennes doivent payer presque, vont devoir payer plus que presque 2 000 $ d'ici l'année 2030 à cause de cet impôt. Cet impôt rend leur vie plus difficile chaque jour partout dans notre province. Inaudible. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au Premier ministre. Nous voyons l'effet négatif de la taxe du carbone sur toutes les choses que les Ontariens doivent acheter de façon quotidienne, soit les vêtements, l'épicerie ou l'essence. Chaque chose qu'on doit acheter ressent l'inflation due à cette taxe sur le carbone. Nous devons agir pour enlever cet impôt et donner du soulagement aux familles. Malheureusement, les néo-démocrates et les libéraux continuent à voter contre les mesures que nous avions prises, des mesures qui vont rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut-il partager son impression sur le fait que les néo-démocrates, encore une fois, disent non à rendre la vie plus abordable pour les Ontariens? Réponse du Premier ministre. Les libéraux et les néo-démocrates parlent d'abordabilité et du coût de la vie, mais ils ont voté contre toutes et chacune des mesures que nous avions présentées pour soulager les Ontariens. Ce sont des problèmes qui ont été empirés par la taxe sur le carbone, un impôt qu'ils ont défendu tous les deux pendant des années. Maintenant, les néo-démocrates et les libéraux essayent de tromper les Ontariens. Les libéraux maintenant semble ne pas être certain par rapport à où il se trouve. Il semblerait que la semaine dernière, le membre libéral d'Orléans a voté pour une motion pour enlever la taxe sur le carbone. Merci, mon cher ami, je vous remercie. Mais le reste des 6 députés qui ont voté pour cela, et même les néo-démocrates ont voté de la même façon une fois. Mais vous avez le roi du taxe de carbone qui s'assoit de l'autre côté. Inaudible. Merci, dit le Président. Prochaine question. Le député de Kiwetinang. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. J'ai déposé une motion la dernière semaine pour reconnaître les déterminants de santé dans les communautés autochtones parmi dans la province. Monsieur le Président, le système de santé en Ontario ne fonctionne pas pour les communautés autochtones. Il ne fait pas suffisamment pour améliorer leur santé. Ce gouvernement fait partie du problème. Le chef de cette région a déclaré l'urgence en ce qui a trait à la santé mentale et à la toxicomanie. Est-ce que ce gouvernement va-t-il appuyer la motion pour améliorer les résultats en matière de santé des communautés autochtones en Ontario? Oui ou non? Les députés doivent regagner leur siège, s'il vous plaît. La parole au ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Je veux reconnaître le suicide de la commettante de Kingfisher Lake, de la circonscription du député de Kiwetinang.
son grand-père et mon cher ami. Nous avons du mal, de même que la communauté. Je voulais tout d'abord reconnaître cela. Monsieur le Président, en ce qui a trait à la motion qui a été déposée par le député d'en face, il y a une bonne façon de travailler à l'Assemblée quand on veut mettre un rapport sur la table pour que ça puisse être considéré. Peut-être on peut le faire un jour avant de déposer la motion. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement dit qu'il reconnaît que les résultats de santé pour les Ontariens des communautés autochtones sont pires que pour les restes des Ontariens. Elena, de 11 ans, a pris sa propre vie cette fin de semaine. Elle aurait dû avoir toutes les chances que tous les autres enfants ont en Ontario pour grandir, mais Monsieur le Président, elle ne les a pas eues. Indépendamment de ce que ce gouvernement pense qu'ils sont en train de faire, cela n'arrive pas aussi vite que nécessaire. Est-ce que le gouvernement va-t-il appuyer ma motion pour reconnaître les déterminants? Oui ou non? Les députés doivent regagner leur siège. Réponse. Le ministre adjoint de la Santé mentale et de la toxicomanie. Merci, Monsieur le Président. Mes pensées sont avec la famille de la jeune fille et de toute la communauté due à la perte que nous avions eue ce dimanche. Monsieur le Président, nous savons qu'il y a des lacunes à combler en ce qui a trait à la santé des Premières Nations, des communautés autochtones. Nous allons continuer à faire des investissements pour les régler. Récemment, nous avions annoncé un centre additionnel avec un investissement de plus de 4 millions de dollars. Additionnellement, nous investissons 40 millions de dollars pour les soins des communautés autochtones pour assurer que ces communautés partout dans la province puissent avoir accès à des soins de santé mentale et de toxicomanie culturellement appropriés. Nous savons qu'il y a toujours du travail à faire et nous travaillons pour assurer, parmi les différents investissements que nous faisons, que les soins de santé qui sont fournis soient culturellement adéquats pour toutes les communautés dans la province. Merci. Prochaine question, député de Peterborough-Kowata. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Jeudi dernier, le Premier ministre a finalement reconnu, le Premier ministre fédéral a reconnu ce qui a été dit pendant des années, que la taxe au carbone coûte à la population. Après des années de cette taxe, il a été annoncé par le Premier ministre qu'il va mettre une pause sur cette taxe seulement pour une période de 3 ans et pour un secteur spécifique. Durant le week-end, j'ai entendu de mes commettants des préoccupations que les gens vont être laissés au froid durant l'hiver. Personne ne doit choisir entre se nourrir et se réchauffer. Est-ce que ce n'est pas vrai que le gouvernement fédéral va continuer à augmenter la taxe sur le carbone qui, pour mes commettants qui ont besoin de, qui doivent servir avec le gaz naturel? Réponse, malheureusement, le député a raison. Le Premier ministre qui a été annoncé, a annoncé la semaine dernière, va seulement être pour ceux qui utilisent le chauffage domestique avec l'huile. Il y a d'autres, ce qui représente seulement à 1% de la population. Il y a d'autres sources comme avec le gaz naturel et le propane. Ce qui va se passer, c'est que la taxe sur le carbone va continuer à augmenter en flèche, surtout dans une période d'inflation et de crise en abordabilité. Comme cela a été mentionné, la taxe sur le carbone augmente le prix du carburant, des épiceries. Et ce changement fédéral, le gouvernement du Canada n'est pas suffisant. Il est trop tard. Il faut commencer à agir en tant que gouvernement du Canada. Complémentaire. Merci. Merci au ministre pour cette réponse. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fédéral laisse de côté
certaines personnes par rapport à leurs factures en matière d'énergie. Les familles, les entreprises dans ma circonscription ont dit qu'ils sentent les effets de la taxe sur le carbone sur leurs factures à chaque mois. Ils ne peuvent pas payer plus d'impôts que les libéraux, ceux dont les libéraux et les néo-démocrates appuient. Est-ce que le ministre est au courant de l'augmentation de leurs factures en matière d'énergie si le gouvernement continue à refuser à éliminer cette taxe? Réponse, cela n'est pas surprenant que les commettants de la circonscription du député ressentent cela ce week-end. La taxe fédérale ajoute 300 $ additionnels pour ce qui a trait au réchauffage des logements et également pour les ménages qui réchauffent. Qui utilisent le propane pour se réchauffer. Et cela ne va pas s'arrêter. D'ici 2030, le gouvernement fédéral, avec le soutien de l'opposition officielle ici à Queen's Park, également les libéraux et les néo-démocrates, ils veulent en fait tripler cette taxe sur le carbone. Les fédéraux vont continuer sur cette voie. Les Ontariens et les Ontariennes ne peuvent pas payer plus d'impôts, surtout dans une période de difficulté. Et ce parti de l'opposition ne comprend pas la réalité. Alors que nous voulons réduire les impôts, ils continuent à rendre la vie plus exacerbante pour la population d'Ontario. Merci. Prochaine question, député d'Ottawa-Ouest, Nipien. Merci, Monsieur le Président. Nos enfants méritent du soutien. Mais ce gouvernement a sous-financé les écoles partout dans la province. En dépit des années d'inflation et un besoin important pour le soutien, il y a des compressions de 1 200 $ par étudiant. Le ministre ne peut pas dénier les impacts de cela parce que ce sont les enfants qui vont payer ces coûts. Est-ce que le gouvernement va finalement s'engager à offrir des financements par enfant, ce qui est une question importante? Réponse, c'est notre gouvernement qui continue à permettre aux étudiants de rester dans leur salle de classe. C'est à cause de vous qu'il y a eu des enjeux lorsque vous encouragez vos syndicats et vos amis et nos enfants vont payer le coût. Lorsque les enfants ont payé le prix, lorsque vous avez voté contre 2 000 professionnels afin d'appuyer nos enfants en termes de littératie et de mathématiques. Ce sont nos enfants qui paient le prix lorsque chaque parent veut à ce que leurs enfants puissent être appuyés. Nous allons appuyer le système de l'éducation de qualité en se concentrant sur la lecture, les mathématiques, la littératie. Nous allons défendre nos écoles et demander davantage pour nos écoliers et nos écolières. Réponse. Il y a une question plutôt. Il y a une personne qui peut faire ce qui est nécessaire pour protéger nos enfants. C'est ce ministre en question qui refuse d'établir des dates pour les négociations collectives. Les enseignants se sont unis afin de lutter pour de meilleures conditions dans les écoles. Ils ont besoin de plus de soutien pour les enfants ayant des besoins spéciaux et pour reconnaître la crise en matière de dotation de personnel. Plusieurs fédérations catholiques ont des mandats de grève et est-ce que le ministre va finalement se présenter à la table des négociations pour négocier afin d'améliorer l'année scolaire pour les étudiants? Réponse, la députée a voté en faveur de ce mandat de grève au lieu de défendre les commettants et les étudiants. Il est clair que c'est un enjeu qui est important pour les néo-démocrates parce que finalement, ils veulent lutter au nom des syndicats. Nous allons recommencer à la base et améliorer cela pour nos étudiants de l'Ontario. Prochaine question. Député de Beaches Est, York. Bonjour tout le monde. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement est effrayé par l'enquête criminelle de la GRC, ce qui va être découvert par rapport à la ceinture de verdure. Et ils sont effrayés par rapport à ce qui va être publié dans un rapport plus tard cette année. Ils ont
peur qu'ils ne peuvent pas respecter leur promesse de construire 1,5 million de dollars, 5 millions de logements d'ici 2031. Ils ont peur de ne pas le faire. Monsieur le Président, un lit n'est pas un logement. Et nous avons besoin désespérément de plus de foyers de soins de longue durée, mais le fait de les classifier en tant que logements, cela n'est pas approprié. Le premier ministre a dit que ces cibles de 1,5 million de logements sont importants, surtout par rapport à la population. Discours interrompu. Réponse, ministre du Logement et des Affaires municipales. J'avais peur en 2018 lorsqu'on devait regarder les données. Dans cette année-là, la députée a dit cela et la chef de l'opposition a dit que les foyers de soins de longue durée ne sont pas des logements. Lorsque j'étais ministre des foyers de soins de longue durée, pour nous, c'est un logement. Discours interrompu. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Ministre du Logement et des Affaires municipales. Je veux donner un défi à la députée pour se rendre à ces foyers de soins de longue durée pour dire aux résidents qu'ils ne vivent pas dans des logements. C'est grâce au travail que nous avons accompli en tant que ministre, en tant que gouvernement, que 30 000 personnes aînées vont pouvoir accéder à la propriété, ce qui n'était jamais accessible sous la direction des néo-démocrates et des libéraux. Complémentaire. Nous avons assez de distractions. Le gouvernement n'arrive pas à atteindre son cible de construire 1,5 million de logements. L'Halloween n'est pas encore arrivé et ils font un jeu de tromperie. Il faut empêcher les échappatoires pour certaines entreprises. Et est-ce que, pour une fois, nous pouvons arrêter avec ces distractions et nous concentrer sur ce qu'il faut faire? C'est une question de construire des logements dans une crise de logement. Il y a des solutions simples. Soyez audacieux, libérez des terres qui sont disponibles sur les terres publiques à partir de ma circonscription à Danforth. Quand est-ce que le gouvernement va s'engager à construire un corridor plus large dans nos propres territoires sur les terres provinciales? Réponse, Monsieur le ministre, je respecte la députée, mais des fois, elle n'a pas raison. Dans votre propre circonscription, nous avons créé 375 foyers de soins de longue durée. Intervention du président. Faites attention, Monsieur le Premier ministre, par rapport à votre langage. Vous pouvez maintenant continuer. 375 foyers dans sa circonscription. Nous construisons 30 000 foyers de soins de longue durée en général. Vous avez construit seulement 611. Donc, la différence entre 30 000 et 611, c'est grande. Mais ils ont voté contre la construction de logements, de foyers de soins de longue durée. Ils ont voté contre la construction des autoroutes, des hôpitaux. Ils ont voté contre plusieurs mesures importantes. Nous allons faire ce qui est nécessaire et ils ne font que se plaindre à propos de tout. Prochaine question. Député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Mon collègue, le député de Lennon-Frenac, a déposé une motion pour demander au gouvernement fédéral
d'adopter des mesures immédiates pour éliminer la taxe sur le carbone pour le réchauffement des logements. Pour plusieurs personnes dans le nord de l'Ontario, l'utilisation du carburant pour réchauffer leur logement est une nécessité, pas une question de luxe. Pour ceux qui habitent dans des villes éloignées et rurales, ils ont des options limitées. Cela n'est pas juste qu'ils soient punis par cette taxe de carbone simplement à cause de ce carburant dont ils ont besoin pour survivre. Est-ce que le ministre peut nous dire quel impact va se produire en matière de facture pour les Ontariens et les Ontariennes lorsque cette taxe sera éliminée pour les Ontariens et les Ontariennes, surtout dans le Nord? Réponse est la raison entièrement. Le propane et le gaz naturel sont des options, les seules options pour les gens qui habitent dans le nord d'Ontario, incluant les peuples autochtones. Plus de 70 % des Ontariens et des Ontariennes réchauffent leur logement avec le gaz naturel. Durant cette année, nous avons pu voir que cela ajoute des centaines de dollars aux factures des gens, ce qui rend la vie moins abordable, ce qui représente environ 20 $ par famille. Et ces familles font face à des difficultés, surtout comparativement au reste de la population qui utilise d'autres sources de réchauffement. Cela n'a aucune logique. Pourquoi est-ce qu'il y a des exemptions pour ceux qui utilisent le gaz naturel et le propane? Alors, je remercie le député pour sa motion et nous souhaitons que le groupe parlementaire néo-démocrate va finalement nous appuyer. Complémentaire. Merci au ministre pour cette réponse. La taxe sur le carbone fait augmenter les prix des services publics également pour d'autres coûts. J'habite à Carlton et j'utilise le propane et les factures ont augmenté de manière exponentielle. La vie est beaucoup plus non abordable à cause de cette taxe sur le carbone. Malheureusement, plusieurs familles doivent choisir entre se nourrir et réchauffer leur propriété. Cela est préoccupant, surtout dans une période d'hiver, et malheureusement, ce ne sont pas tous les gens ici dans cette Assemblée qui sont d'accord par rapport à ce point. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'opposition officielle a voté contre notre motion pour éliminer la taxe au carbone sur les produits d'épicerie. Est-ce que le ministre peut partager avec nous pourquoi est-ce que quelqu'un supporterait cette taxe sur le carbone? Réponse, c'est une honte que les neuf députés ont fait cela. Nous avons vu cela auparavant. C'est pour cette raison qu'ils ont seulement 9 sièges dans cette Assemblée. Ils ont attendu jusqu'à la dernière minute lorsque les gens ne peuvent pas se nourrir ou réchauffer leur logement dans leur collectivité. Et c'est alors qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Mais ce parti continue à appuyer le gouvernement fédéral. Avec cette taxe, il va tripler dans les années à venir, ce qui va mener les gens à vivre en pauvreté en matière d'énergie. Le député d'Ottawa était assis dans son siège lorsque son parti avait continué à augmenter les coûts. Le premier ministre nous a dit que cela n'est pas juste pour la population de l'Ontario. Nous avons besoin de l'appui de l'opposition officielle aujourd'hui pour que le gouvernement fédéral puisse éliminer cette taxe sur le carbone. À l'ordre. Prochaine question. Député de Niagara Falls. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. C'est clair au public que ce gouvernement ne va pas respecter leur promesse de construction de 1,5 million de logements. Mais nous avons appris qu'ils ont ajouté des lits dans le secteur des foyers de soins de longue durée dans cette donnée. Cela doit être clair que nous faisons face à une crise en matière de logement et dans le secteur des foyers de soins de longue durée. Cela ne va pas changer si nous changeons les données, modifions les données. Est-ce que le premier ministre peut nous dire réellement quel est ce montant spécifique et quel est l'état d'atteindre leur cible de 1,5 million de logements? Réponse. Alors, le député a posé des questions en matière de données. Nous allons partager ces données. 15 ans sous les libéraux, ils ont construit
bâti plutôt seulement 611 lits. C'est grâce à ce gouvernement depuis 2018 qui a pu commencer les mises en chantier à 18 000. Et, Monsieur le Président, le député a questionné le fait d'ajouter ces espaces dans le secteur des foyers de soins de longue durée en tant que logement. Alors, rendez-vous à Niagara Falls où nous avons annoncé l'ajout de plusieurs lits et de dire à ces personnes âgées qu'ils n'habitent pas dans des logements. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec cela. Ce sont des logements. Nous allons construire 58 000 logements grâce au leadership de ce premier ministre. Nous allons bien apprendre des néo-démocrates. Nous allons nous assurer que les personnes âgées reçoivent le respect et la dignité dont elles méritent. Complémentaire, député de Niagara Falls. Monsieur le Président, je veux être clair. Si nous investissons dans ce secteur, nous n'aurions pas cette quantité de gens qui doivent aller habiter dans des foyers de soins de longue durée. Ils veulent habiter chez eux. Et si vous ne voulez rien apprendre de nous, je vais quand même vous partager avec vous ces informations. Alors que nous faisons face à une crise de logement, les gens sont délaissés avec des besoins urgents. Vous essayez de changer les données en pensant que personne ne va rien suspecter. Est-ce que le premier ministre peut nous dire clairement, après plusieurs changements dans les politiques en question de logement, la seule solution? Quelle est sa solution pour remédier à cette crise de logement? Réponse? Nous recevons cette question du député de Niagara Falls. Il nous dit que les gens qui habitent dans ces foyers de soins de longue durée ne vivent pas dans des logements. Voilà ce que nous allons faire à Niagara. Nous allons augmenter plusieurs centres, plusieurs foyers, West Hill, Pleasant Manor, Fairview, et rendons-nous dans ces foyers et disons à ces personnes âgées qui ont construit ces communautés, ce pays, pour leur dire qu'ils n'habitent pas dans des logements. Nous allons nous assurer de prendre soin de nos aînés. Ils ont pris soin de nous et nous n'allons rien accepter provenant des néo-démocrates. Arrêtez la pendule. Je suis sûre que nous avons passé une bonne fin de semaine. Il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est bien de le voir, surtout lorsque l'Halloween s'approche. Malheureusement, je ne pouvais pas entendre ce qui est dit en chambre. Alors, si l'ordre ne revient pas, je vais devoir commencer à nommer des députés. Prochaine question, député de Thornhill. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Comparativement aux libéraux et aux néo-démocrates, notre gouvernement a toujours su que la taxe sur le carbone fait augmenter les coûts en matière d'énergie dans la province. C'est pour cette raison que le premier ministre et notre gouvernement a lutté contre cette taxe inutile jusqu'à la Cour suprême. Alors que la période de l'hiver s'approche, je suis fière de voir que le gouvernement fédéral commence plutôt à comprendre les impacts de cette taxe. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral va seulement arrêter cette taxe sur l'huile à chauffage domestique qui est seulement utilisée par 2,2% de la population comparativement au gaz naturel qui est utilisé par 75% de la population? Ministre de l'Énergie. La question de la députée est difficile à répondre à cause de l'approche du gouvernement fédéral qui n'a aucun sens. Les libéraux fédéraux ont décidé de mettre une pause sur un type de carburant pour le réchauffage des logements, mais ces coûts vont continuer à augmenter pour ceux qui utilisent d'autres types comme le gaz naturel et le propane.
Comme nous l'avons dit, plus de 75% de la population utilise ces carburants à émissions faibles et les familles en Ontario ne devraient pas être punies à cause de ces décisions qui ont été prises par le premier ministre fédéral. À Ottawa, les fédéraux doivent étendre cette pause pour toute la population de l'Ontario. Ils sont le gouvernement du Canada. Ils devraient mettre une pause pour tous les résidents au Canada, non pas seulement dans la partie de l'Atlantique du Canada. Alors, le temps est venu pour que l'opposition officielle se tienne avec nous afin de s'opposer contre cette taxe sur le carbone une fois pour toutes. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. J'apprécie cette réponse franche. Je suis d'accord que le gouvernement fédéral doit agir rapidement afin que cette pause soit faite l'objet de tous les types de réchauffement en Ontario ou d'éliminer entièrement cette taxe. Alors que l'hiver approche, les coûts en matière de réchauffement représentent une préoccupation pour nos familles. Ils veulent voir des politiques pour réduire les coûts et non pas les augmenter. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que le gouvernement va faire, va continuer à faire pour garder les coûts bas pour les familles en Ontario? Réponse, ministre de l'Énergie. Je peux le dire, nous continuons à investir pour réduire les coûts de l'énergie. En Ontario, deux semaines de cela, j'ai annoncer une augmentation des rabais de l'énergie afin de s'assurer que les factures d'énergie pour la population de l'Ontario restent stables et prévisibles, non seulement pour les familles, les fermes et d'autres gens qui vont accéder à des rabais, des remboursements de milliers de dollars par mois. Nous avons besoin du gouvernement fédéral afin de se joindre à nous pour rendre la vie plus abordable pour la population de l'Ontario, non pas seulement pour les gens dans la zone de Atlantique du Canada. Comme cela a été dit, cela fait du mal en Ontario, au Canada. Cela n'est pas juste pour la population ontarienne. Merci. Prochaine question, député de Toronto Centre. La semaine dernière, le 23 octobre, plusieurs gens, incluant trois enfants, ont été tués suite à une personne qui a commis ces actes. Le premier ministre a refusé d'agir en matière du rapport provenant de la circonscription de Renfrew par rapport à la violence conjugale. Est-ce que le premier ministre va appuyer les villes, les afin de déclarer que ces incidents conjugaux représentent une menace pour les familles en Ontario? Réponse. C'est une question grave et nos pensées sont avec ces familles. C'est pour cette raison que nous savons que il faut travailler de concert avec tous les partenaires. Et je l'ai dit la semaine dernière qu'il y a des choses concrètes que nous faisons en améliorant la formation au Collège de l'Ontario pour les nouveaux cadets. Je l'ai vu moi-même que nous offrons 45 subventions. Nous offrons des subventions à 45 organismes plus tôt. Et nous allons également et toujours tenir ces contrevenants responsables. Réponse, question plutôt, c'est une insulte de parler de questions de simplisme et cela blesse. Nous devons parler de violence entre partenaires intimes. Cela se fait régulièrement au Canada et à partir de septembre, il y a eu 46 fémicides en Ontario. L'initiative de prévention contre cela a déclaré qu'environ 30 enfants sont tués
annuellement au Canada par l'un des parents. Le temps presse. Quand est-ce que le premier ministre a finalement adopté des mesures pour protéger les enfants et leur mère en déclarant que la violence entre partenaires intimes est une épidémie? Asseyez-vous. Réponse. C'est une question importante. C'est pour cela que nous agissons pour ce qui a trait à notre stratégie pour réduire la violence armée. Nous allons investir dans 44 projets pour aider les victimes. C'est pour cela que dans le Collège policier d'Ontario, nous nous assurons que chaque cadre reçoit une formation relative à la violence entre partenaires intimes. C'est pour cette raison que nous investissons 55 millions de dollars dans le système. Comme je l'ai dit auparavant, nous engageons tous nos partenaires afin d'agir et de manière beaucoup plus importante, nous allons tenir ces contrevenants responsables pour une question qui est inacceptable. Prochaine question. Député de Mississauga-Erin Mills. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Comme le premier ministre l'a dit le mois dernier, la livraison de produits dans la province est affectée par une taxe inutile. C'est la taxe sur le carbone. Je suis d'accord avec le premier ministre parce que, alors que nous restons concentrés pour réduire les coûts de la vie, la taxe ne nous est pas propice. Nous avons des coûts élevés en matière de factures d'énergie. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que cette taxe fait augmenter le coût de la vie? Réponse. Comme cela a été documenté, cette taxe augmente les coûts pour le carburant, les produits d'épicerie et tout. Comme la ministre de l'Agriculture l'a dit pendant des années, cela augmente les coûts des fruits et des légumes dans nos épiceries. C'est simple parce qu'il y a une taxe qui est imposée sur l'engrais qu'utilisent les fermiers, le carburant qui fait fonctionner les tracteurs. La taxe sur le carbone également fait augmenter l'énergie et aussi pour l'essence afin d'utiliser les voitures et se rendre dans les épiceries. C'est une taxe inutile. Depuis 2018, nous luttons contre cela. Nous avons besoin de l'aide du gouvernement fédéral, de l'opposition officielle pour rendre la vie plus abordable. Complémentaire. Merci au ministre, Monsieur le Président, pour sa réponse. C'est pourquoi notre réponse est une réponse justement concernant les difficultés de cette taxe carbone, parce que nous savions que ça allait augmenter le coût de tout dans nos communautés. La partie la plus préoccupante de cette taxe, c'est que ça ne va qu'empirer les choses. Le gouvernement fédéral va augmenter cette taxe d'ici 2030. Alors, est-ce qu'on peut dire pourquoi Ministre de l'Énergie, merci au député pour sa question. Ce n'est pas un choix. C'est un besoin dans cette province. Moi, je sais que quand on était à l'opposition, on critiquait le gouvernement libéral provincial pour obliger les gens à choisir entre le chauffage ou la nourriture. Alors, un travailleur dans le secteur de la construction n'a aucun choix. Ils doivent payer la taxe carbone pour pouvoir acheter l'essence pour leur camion et ils doivent payer cette taxe sur tous les autres produits.
nous essayons de rendre la vie abordable pour les Ontariens et nous avons combattu contre la taxe carbone à chaque étape, Monsieur le Président. Député de Parkdale-High Park, merci. Question Premier ministre. Les données qui ont été publiées par le Conseil des propriétaires et des locataires montrent que les coûts du loyer ont augmenté et il n'y a que 11 amendes pour des évictions qui ont été faites en mauvaise foi. Ce nombre est terriblement bas et ne protège pas les locataires qui perdent leur logement rapidement et en grand nombre. Que fait ce gouvernement pour pouvoir mettre fin aux évictions qui sont faites en mauvaise foi et pour pouvoir aider les locataires? Merci. Le procureur général, merci. Je vais vous dire ce que ce gouvernement va continuer de faire, c'est-à-dire continuer ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire mettre en place des ressources, changer les processus, doubler le nombre d'arbitres. Nous avons changé tout ce qu'on pouvait changer. Nous essayons d'éliminer les retards pour traiter les affaires. Quel est le thème commun de tout cela? Eh bien, c'est le fait que l'opposition a voté contre toutes les mesures que nous avons essayé de mettre en œuvre pour protéger les locataires, Monsieur le Président. Question complémentaire. Le gouvernement a déposé la loi pour la protection des locataires, mais ça n'a pas protégé les locataires contre les évictions de mauvaise foi. Et d'abord, cela n'a pas l'impact qui est nécessaire, surtout si on n'utilise pas les mesures disponibles. Le gouvernement dit qu'ils ont mis en place un nouveau projet de loi. Ce projet de loi a reçu la sanction royal en juin, mais il n'est toujours pas entré en vigueur. Alors, que fait que ce projet de loi ne soit toujours pas en vigueur pour protéger les locataires, Monsieur le Président? Le ministre, merci, Monsieur le Président. Je suis confus parce que la députée d'en face dit qu'on ne fait rien pour protéger la population, mais en même temps, elle explique qu'il y a un projet de loi qui a été mis en place. Nous avons doublé le nombre d'auditions visant à protéger les locataires et nous avons mis en place des mesures. Nous avons investi des dizaines de millions de dollars pour créer plus d'équipes, pour avoir plus de technologies, pour les conseils et les tribunaux pour les propriétaires et les locataires. Alors, malgré ce que le NPD fait de voter contre les mesures que nous proposons pour protéger les locataires et les propriétaires, pour donner à ces personnes la protection dont ils ont besoin. Nouvelle question, député de Brentford-Brent. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre de l'Énergie. Nous avons entendu aujourd'hui le travail de ce gouvernement pour pouvoir rendre la vie dans cette province plus abordable. L'un des programmes qui ont été mis en place pour protéger les Ontariens, c'est l'initiative pour des maisons à énergie propre, ce qui ne va pas seulement rendre l'énergie plus abordable, mais aussi qui va permettre de pouvoir protéger les infrastructures hybrides. Alors, au ministre de l'Énergie, est-ce que le gouvernement fédéral est arrivé à un point qui va permettre de pouvoir mener des recherches pour que le chauffage et l'énergie soient plus abordables pour les Ontariens? Merci, le ministre de l'Énergie, pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai dit plusieurs fois, le gouvernement a travaillé très dur pour que la vie soit plus abordable en Ontario. Et l'une des initiatives que nous avons lancées, c'est justement le programme que le député a mentionné, c'est-à-dire le chauffage et énergie propre pour les logements. Nous avons financé pour plusieurs milliers de personnes pour qu'elles puissent passer à des énergies hybrides pour pouvoir économiser plusieurs centaines de dollars par mois. Le gouvernement fédéral n'a pas essayé de nous joindre pour pouvoir discuter comment on pourrait élargir ces initiatives partout en Ontario. Ils ont choisi d'élargir ce programme pour les personnes dans le Canada atlantique. Et je ne sais pas pourquoi le gouvernement fédéral voudrait faire cela, parce que ce ne
sont pas les seuls Canadiens qui sont touchés par le coût de l'énergie. Si les personnes dans cette province ont besoin de protection, eh bien, ce sont toutes les personnes aussi en Ontario qui souffrent de ces frais qui ont augmenté à cause du fait que la taxe carbone a été imposée par le gouvernement fédéral. Question complémentaire. Merci pour la réponse, Monsieur le ministre. Et j'aimerais dire que c'est véritablement décevant que d'entendre ce type de réponse. Nous avons entendu haut et fort aujourd'hui que le gouvernement fédéral doit agir pour aider tous les Ontariens qui se trouvent face aux impacts des coûts de la vie qui augmentent. Mes commettants sont inquiets du fait que le gouvernement n'utilise pas toutes les opportunités à sa disposition pour pouvoir réduire le coût de la vie. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral n'a pas éliminé la taxe carbone sur beaucoup d'autres éléments de la vie. Est-ce que le ministre pourrait élaborer sur quels sont les bénéfices qui pourraient être disponibles pour les familles de l'Ontario si cette taxe était éliminée? Le ministre de l'Énergie pour sa réponse. Merci. Les systèmes hybrides vont permettre de pouvoir utiliser des systèmes d'électricité propres pour chauffer et refroidir les maisons en utilisant des systèmes faits d'électricité et de gaz, donc des systèmes hybrides. On parle donc de la baisse des coûts de l'électricité, des économies qu'on peut réaliser sur l'électricité et malheureusement la taxe carbone ne fait qu'augmenter les prix. Et cette taxe même augmente, donc ça fait augmenter le coût de la vie. Nous faisons tout ce que nous pouvons en Ontario pour que la vie soit plus abordable pour les Ontariens, mais comment nous pouvons faire si le gouvernement fédéral ne nous aide pas? Si les députés d'en face de l'opposition, si le député du Parti vert, les députés du Parti libéral et du NPD s'opposent à toutes les mesures que nous essayons de mettre en place pour pouvoir réduire le coût de la vie pour les Ontariens, alors nous faisons tout ce qui est nécessaire en même temps. Le président interrompt la réponse. Nouvelle question. Député de Témiscamingue-Cochrane, merci. Question au ministre de l'Agriculture. Comme j'ai dit plusieurs fois à Témiscamingue, nous avons des problèmes liés au système d'égout. Ce système a aidé les agriculteurs pour pouvoir leur donner des sources hydriques, pour pouvoir arroser les champs. Maintenant, malheureusement, il y a des problèmes avec les égouts qui font que les égouts provenant de déchets humains arrivent dans les champs. Alors, comment on peut faire pour pouvoir éviter que cela se produise pour aider les agriculteurs de notre région? Ministre de l'Agriculture, merci. Monsieur le Président, j'apprécie d'avoir l'occasion de pouvoir parler de l'environnement et des terres arables que nous avons en Ontario. Nous avons beaucoup de terres et nous avons des systèmes qui remonte aux années 90 et nous avons montré que nous sommes les meilleurs protecteurs de notre système agricole. Nous savons que pour pouvoir participer aux activités visant à protéger nos terres pendant l'hiver, par exemple, il est important d'avoir les systèmes en place. Et alors, je peux vous dire que nous travaillons avec tout le ministère de l'Environnement sur le changement climatique et sur toutes les techniques nécessaires pour pouvoir résoudre les problèmes actuels. Merci. Cela met fin.